Bon matin, Église, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Nous terminons notre série qui se nomme Pasteur. J'ai une question où euh, cinq prédications où on répond aux questions que vous avez posées. Et euh, ce dernier message, c'est vraiment les questions restantes. C'est un peu qui sont difficiles à catégoriser. C'est un, un, un message sur des questions diverses. Et le titre de la prédication, c'est Questions diverses, sexe, dîmes et tatou. Rien de moins, trois sujets qui nous passionnent tous, sexe, dîme et tatou. Et je veux dire d'emblée que le rôle du pasteur n'est pas de te dire quoi penser, mais de t'enseigner comment penser bibliquement. Ah, le pasteur, ce n'est pas celui qui va dire, voici, c'est ça, ça c'est bien, ça c'est mal, il y a des choses dans la Bible, c'est très, très clair. Mais il y a un paquet de sujets où le pasteur, mon rôle, c'est de t'enseigner. Comment réfléchir de manière christocentrique sur des sujets complexes que la Bible ne dit pas, tu point pas un verset noir sur blanc qui te dit « c'est bien ou mal », tu dois déterminer par toi-même. Je te donne un exemple. Supposons que tu vas à l'épicerie et tu vois dans la section des viandes, il y a une section où la viande est à 50% de rabais et l'explication c'est que parce que ces viandes-là ont été sacrifiées dans des rituels sataniques. Donc qui ici, tu dis même c'est 50% moins cher je n'achète pas le steak haché lève la main ok ben, c'est la main qui dit moi l'important dans la vie c'est d'économiser je l'achète ça ne change rien dans ma vie le Saint-Esprit plus puissant lève la main ok quand même il y en a qui sont proches de leur argent euh... <laughs> qui en a aucune idée hein? et c'est un débat c'est un débat qui divisait l'Église primitive tu vois ça dans Corinthiens où toute la viande du marché avait été sacrifié aux idoles, puis il y a un débat dans l'église parce qu'il y a des chrétiens qui disent mais non, il hey, faut devenir végétarien, on peut pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, et il y en a d'autres qui se disent non mais c'est juste de la viande, c'est juste de la viande. Et l'apôtre Paul ne leur dit pas quoi faire, il va leur enseigner comment penser en établissant des principes. Et une des choses qu'il va enseigner c'est que quelquefois tu as une opinion qui n'est pas celle de ton frère et de ta sœur, mais tu dois avoir la maturité de ne pas imposer ta conscience aux autres. Ah, il y a un beau verset, l'apôtre Paul va dire Pourquoi en effet ma liberté serait-elle serait-elle jugée par une conscience étrangère C'est ce qui s'appelle la liberté de conscience. Ce sont des sujets qui ne sont pas primaires, secondaires, qui sont tertiaires, on a tous des opinions. Et la maturité, c'est de réfléchir bibliquement pour savoir ce qui est bien pour toi, mais quelquefois, c'est de ne pas imposer ta conscience aux autres. Est-ce que je peux entendre Amen donc aujourd'hui, c'est des sujets justement variés où on ne sera pas tous d'accord, mais c'est de, de pouvoir réfléchir chacun bibliquement et de laisser la liberté de conscience aux autres. Mais ta première question, ayant grandi dans une famille catholique non pratiquante, est-ce correct pour moi de fréquenter une église chrétienne? Quels sont les liens, les différences entre ces deux écoles de pensée? OK. On a plusieurs personnes qui joignent à l'église de background catholique. Comme beaucoup de Québécois de souche, on est de background catholique. J'ai été baptisé, confirmé. À l'adolescence, j'allais voir le prêtre pour qu'il puisse bénir ma petite croix dans le cou. Et on se pose la question, on arrive dans une église comme celle-ci, on dit « OK, c'est la même Bible, c'est le même Jésus, mais il y a quand même deux, trois choses de différentes. » Ça vient d'où? OK. Dans l'histoire de l'église, OK, dans les premières années, l'Église s'est donné le nom de catholique. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'Église est universelle. Les chrétiens nous croyons que l'Église, elle est catholique, elle est universelle. Je pense que si je vais en Afrique, si je vais en Asie, si je vais en Amérique du Sud et je retrouve des chrétiens qui célèbrent Jésus, qui sont nés de nouveau dans l'Église, j'ai l'impression que c'est la même Église. Est-ce que je peux entendre Amen Le problème, c'est que l'Église s'est hiérarchisée, est devenue une institution. Et l'Église s'est donné le nom de catholique romaine. Donc, l'Église a dit non seulement on est universel, mais on est centralisé à Rome. Et la langue sacrée dans la messe et les cultes, c'est le latin. Et celui que toute l'autorité dans l'Église, c'est n'est pas Jésus, c'est le pape. Mille ans plus tard, à peu près donc, il y a à peu près mille ans, donc je vais donner la date, en 1054, euh, il y a eu un schisme, c'est-à-dire l'Église s'est séparée en deux. Tu avais, évidemment, nous étions tous catholiques romains. Et tu as eu des gens en Orient, donc, est-ce que tu as déjà entendu parler des orthodoxes grecs? OK, il y a eu une chicane entre les deux gangs, euh, notamment sur l'autorité du pape. Les Grecs disaient hey, non, on ne va pas reconnaître le pape de Rome, on a notre propre pape, euh, en désaccord sur les icônes. Dans l'Église d'Orient, dans les églises, tu as des images de saints qui est un support à la prière. Les catholiques romains disaient que c'est l'idolâtrie. Eux disaient non, 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 ça nous aide à prier. La chicane, pas d'accord sur la communion, pas d'accord sur le Saint-Esprit, schisme. Ok. 500 ans plus tard, il y a une autre gang qui n'est pas contente. Les protestants. Les protestants protestaient contre l'ordre établi. Puis 500 ans plus tard, c'est une gang dans l'Église. Hein, on était tous, tout le monde était dans l'Église catholique. A dit hé hey, L'enseignement de l'Église n'est plus l'enseignement de Jésus. Et ces chrétiens sont arrivés avec un slogan qu'on appelle les cinq solas. Donc, ils ont dit premièrement, l'important, c'est sola scriptura. Ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, c'est la Bible seule, ce n'est pas la tradition des papes. Deuxièmement, ils sont arrivés avec sola gratia, en disant à l'Église, il y a un problème. Vous enseignez le salut par les œuvres alors que la Bible a dit qu'on est sauvé par grâce. Et après, ils sont arrivés avec non seulement la Bible seule, la grâce seule, la foi seule. On n'est pas sauvé par nos mérites, mais on est sauvé par notre foi en Jésus. Le tout ceux qui disent Amène, vous sont en train de trahir dans quelle gang qu'on est. <laughs> et et c'est là. Puis à l'époque, il y avait les indulgences ou l'Église catholique, pour financer, hein, et financer le Vatican, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux gens, euh, tu peux acheter ton ciel. Donc oui, tu es pécheur, mais si tu donnes assez d'argent, tu vas t'éviter le purgatoire puis tu vas aller au ciel plus rap rapidement. Puis, il y avait même un super slogan. L'Église était très forte en marketing à l'époque. Euh, C'était « Dès que l'argent résonne, une âme du purgatoire s'envole. » ouais c'est ça. Il y a du monde comme nous qui n'était pas content à l'époque. Et c'est là qu'ils ont dit qu'un autre solaire, c'est que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. On n'a pas prier Marie, on n'a pas, les chrétiens, on respecte Marie, mais on ne prie pas Marie pour se rendre au Père. Jésus a dit, je suis le seul chemin vers le Père, on ne prie pas les saints. Et ils sont arrivés avec un cinquième seul en disant, le but de tout ça, ce n'est pas la gloire de l'Église, c'est la gloire de Dieu. Donc, les protestants sont arrivés, et 200 ans plus tard, tu a eu des mouvements de réveil. Okay? Parce que dans tous les mouvements, à un moment donné, lorsque tu, tu, tu veux un réveil, le réveil se refroidit, puis à un moment donné, les chrétiens deviennent tièdes et l'Église protestante s'est éloignée de l'enseignement de la Bible. Et à un moment donné, tu as des mouvements de réveil, puis tu as eu ce qu'on appelle des réveils évangéliques, un retour à l'évangile, un retour à la bonne nouvelle de la grâce. Et cette gang-là, qui, qui est issue de la réforme protestante, disait euh, « Nous croyons que la Bible doit demeurer le seul fondement sur lequel l'Église doit bâtir. »« Nous croyons » et le mouvement évangélique est un mouvement qui est une des caractéristiques, c'est un mouvement christocentrique. De dire que le centre de l'Église, ce n'est pas des rituels ou tu sortes de bébelles, c'est Jésus. Là, vous êtes en train de trahir dans quelle gang qu'on est. Ah, et l'accent sur le message de Jésus, c'est qu'un chrétien, tu n'es pas chrétien parce que ton père et ta mère te fait baptiser quand tu étais bébé et tu vas en toute ta vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se repent, qui met sa foi en Jésus et qui suit Jésus au quotidien. Donc, merci de voler le punch. Le portail, c'est quoi? Le portail, c'est une église chrétienne, protestante, évangélique, christocentrique. Ça, c'est notre couleur. Donc, on pense que c'est ça qui représente le christianisme enseigné par Jésus. Maintenant, à quelle église tu dois aller? Ça, ça, ça dépend de ce que tu veux. Alors, vous savez, si les églises étaient des restaurants, euh, parce qu'il y a des gens qui. Des nouveaux me posaient la question, mais est-ce que je devrais aller à l'église catholique? Puis Moi, je ne te dirais pas quoi faire. Je te dis juste que l'église catholique, son but, ce n'est pas de t'enseigner la parole de Dieu. Si les églises étaient des restaurants, l'église catholique serait un restaurant végétarien. Il n'y a pas beaucoup de viande. Puis ça, c'est un de mes amis catholiques qui le dit, qui est prêtre catholique. Hein, qui... Vous savez qu'il y a des prêtres catholiques qui viennent voir les pasteurs pour leur dire, montrez-nous comment enseigner la Bible. On ne nous a pas enseigné la Bible au grand séminaire. Et de l'autre côté, frères et sœurs, il faut se regarder dans le miroir. Il y a des églises évangéliques qui sont des fast-foods. Hein? Beaucoup de crémage, beaucoup de crémage, beaucoup de calories vides, mais qui ne vont pas t'aider à avoir une âme en santé et passer au travers l'épreuve dans les jours difficiles. Donc, au portail, évidemment, il y en a plusieurs bonnes églises. On travaille fort pour être une bonne église selon le cœur de Dieu. Euh, si on était un restaurant, nous, on, on serait un restaurant de côte levée. Si tu veux manger des côtes levées, tu peux aller chez Saint-Hubert, chez Madison, chez Bâton Rouge, puis c'est bon. Puis il y a plein de bonnes églises qui enseignent la Bible, qui enseignent Jésus comme nous. C'est juste que nous, notre côte levée, elle a une petite sauce christocentrique de plus. Donc, on aime ça. On aime ça, la, la viande de la parole de Dieu dans l'Évangile de la grâce. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, encore une fois, à choisir une église, c'est vraiment, vraiment important. Donc, merci de poser la question. La deuxième question qu'on nous a posée, c'est une question qui revient beaucoup. Pourquoi un chrétien doit être un membre formel d'une Église? Hein, au portail, on met beaucoup l'accent sur le membership, en bon français, la membriété. Ça vient d'où? Tout d'abord, ça vient de la Bible. 1 hein? Corinthiens 12, 27 dit C'est quoi la définition d'un chrétien? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Un chrétien est un membre du corps de Christ. Je peux entendre Amen. Donc, par définition, on ne va pas chercher midi à 14 heures, un membre est rattaché au corps. Et le corps, idéalement, est rattaché à la tête. Donc, il y a tout quelque chose d'organique qui prend place, qui est vraiment important. Donc, la Bible elle parle que le chrétien est un membre pour parler de l'attachement au corps, à l'Église locale, à la communauté. Le chrétien a aussi un engagement envers son Église locale. Merci pour la sœur qui a dit Amen. Ça veut dire quoi Tu vois que les premiers chrétiens, la Bible dit qu'ils étaient assidus dans l'église locale, à l'église locale de Jérusalem. Ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc une assiduité. C'est pourquoi les chrétiens évangéliques et particulièrement au portail, nous ne croyons pas qu'un chrétien non pratiquant que ça existe. Hein, C'est comme quelqu'un un marié non pratiquant. Vous dites Amen, je ne sais pas ce que vous avez compris, mais. Donc, on ne croit pas. Donc, il y a un engagement. Hein, Quelqu'un qui dit Moi, je suis chrétien, mais tu n'es pas assidu à l'Église. Remets en question ton christianisme, ce n'est pas le christianisme de, de la Bible. L'Église ne te sauve pas, mais un sauvé est à l'Église. Okay? Donc, quand on parle de membres, c'est tous les principes bibliques sur l'attachement, sur l'engagement. La Bible dit N'abandonnez pas votre assemblée. Soumettez-vous à votre assemblée. Le portail, c'est quoi les membres du portail Nous sommes sous la même mission. Une même mission de propager que tout a toujours rapport avec Jésus. Okay? Et quand on regarde, le rôle d'une Église locale, c'est quoi? C'est de reconnaître les chrétiens nés de nouveau. Jésus va dire à un moment donné aux apôtres Qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. OK, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Jésus. Tout le monde peut dire Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus va dire ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit il est en train de reconnaître que Pierre est véritablement né de nouveau, né de l'Esprit. Et Jésus dit que sur cette foi, cette déclaration, qui est une déclaration qui est, qui est la conséquence d'une œuvre spirituelle en toi, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un rituel, c'est spirituel, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus bâtit son Église sur des chrétiens qui confessent qu'il est Sauveur et Seigneur. Et il dit à Pierre, je te donnerai le pouvoir des clés. C'est quoi le pouvoir des clés? Le pouvoir des clés, c'est ce que tu vas délier, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Dans le contexte de l'époque rabbinique, c'est l'autorité. En fait, ce que dans, dans toute la réflexion de Jésus, c'est qu'il dit que Pierre, que l'Église a la responsabilité de reconnaître les chrétiens nés nouveaux. Notre job, nous, en tant qu'Église, c'est non seulement de te prêcher. Est-ce que tu réalises que le but de l'Église, ce n'est pas d'offrir des services spirituels où les gens viennent s'ils veulent? Notre but, c'est de former des disciples de Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire un petit peu plus loin, si ton frère a péché contre toi, va reprendre ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes. S'il ne les écoute pas, qu'est-ce qu'il va dire? Dis-le à l'Église. OK, reste avec moi. Mais c'est qui l'Église? C'est qui l'Église de portail? Est-ce que c'est tous ceux qui viennent le dimanche? Est-ce que tous ceux qui viennent le dimanche sont véritablement chrétiens et nouveaux? Donc, est-ce que c'est ceux qui viennent le dimanche? Quand la Bible dit au pasteur de veiller sur le troupeau, c'est qui le troupeau? Hein, quand Paul va dire, il y a les gens du dehors et ceux du dedans, qui sont ceux du dedans? La question que le pasteur se pose, c'est qui sont les véritables disciples de Jésus? Et c'est ça, toute la notion de membre. C'est de, de contextualiser ces principes-là où, vous savez, au portail, nos membres ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Est-ce que tu savais que nos membres ont le pouvoir de me congédier? OK, je ne vais pas vous donner des idées, là. <laughs> si je commence à prêcher des hérésies, si je marche dans l'immoralité, dans l'illégalité, au portail, contrairement à plusieurs églises évangéliques, nous croyons que notre gouvernement est biblique, les membres ont le pouvoir de congédier le pasteur qui n'est pas fidèle à sa vocation. Et tout le monde devrait dire ⁇ Amen ⁇ Donc, nos membres ont beaucoup de pouvoir. Est-ce que c'est normal de vouloir s'assurer que ceux qui ont beaucoup de pouvoir sont des véritables disciples de Jésus ?⁇ Donc, en fait, quand tu regardes l'enseignement biblique du Nouveau Testament, la Bible enseigne que chaque église locale doit savoir qui sont les véritables disciples de Jésus, qui fait partie de l'Église, qui fait partie du troupeau qui fait partie du dedans, qui peut voter, influencer, diriger, protéger l'Église. Et ça, c'est le rôle des pasteurs de s'assurer de connaître qui est le troupeau du portail. Donc, c'est pourquoi on prend le membership très au sérieux parce qu'on pense que ça reflète fidèlement ce que la Bible enseigne sur le chrétien en tant que membre du corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un autre amen? OK. Je commence à prêcher bientôt. Troisième question. La dîme. Et là, je sais que tout le monde est comme Yes! Quelqu'un nous pose la question Peut-on continuer à donner la dîme, même si on a beaucoup de dettes? Oui. Non. Je pensais qu'il y aurait une réaction. Tout le monde dit OK, ça va, passe à la prochaine question. Non. Je vais nuancer. OK. Sérieusement. Le disciple de Jésus, on va faire un pas de recul. Le disciple de Jésus, un des fruits. De la nouvelle naissance spirituelle, c'est que nous sommes de bons intendants des finances que Dieu nous donne. Ça prend du temps, ça prend... Il y a des gens, qu'on doit apprendre à devenir un bon intendant, mais, mais un des fruits du chrétien, c'est qu'il gère bien son argent. Euh, maintenant, il y a un apprentissage qui fait partie de la sanctification. Jésus va dire que l'argent, c'est vraiment important. Mais Jésus va dire que ton trésor n'est pas dans ton compte de banque, il est au ciel. Jésus va dire que chacun d'entre nous, c'est facile de voir nos priorités. On a simplement à regarder ton relevé bancaire. Là est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, on voit où sont tes priorités. Jésus va dire que c'est important d'être un bon intendant. Chacun d'entre nous, avec notre argent, on peut faire quatre choses, les quatre D. Dans l'argent qu'on reçoit, lorsqu'on a notre paye, par exemple, nos rentes, peu importe, il y a ce qu'on dépense, il y a ce qu'on doit. Il y a ce qu'on donne et ce qu'on qu qu dépose. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Ce qu'on dépense, ce qu'on doit, ce qu'on donne, ce qu'on dépose. Donc, dépense, c'est l'épicerie, c'est la vie courante. OK, tout le monde, on doit manger, ça va, la voiture. Ce qu'on doit, il y a de bonnes, de mauvaises dettes. La majorité d'entre nous, on a des dettes bonnes ou mauvaises. L'hypothèque, je la mets là-dedans, tout ça. Donc, on doit, il y a des choses, on doit rembourser. Le chrétien rembourse ses dettes. Il y a ce qu'on dépose, c'est-à-dire, avec nos finances, on, il est sage d'avoir un coussin de sûreté, d'avoir des sous de côté pour les mauvais jours, et on met de l'argent de côté pour notre retraite. Maintenant, quatrièmement, il y a ce qu'on donne. Le chrétien est appelé à être généreux avec ses finances personnelles. Le chrétien est appelé à être généreux avec ses finances personnelles. Je donne juste un principe biblique ici. Là. Je ne suis pas en train de faire une offrande, là, OK? Maintenant, la dîme. La dîme, ça vient d'où? OK. Beaucoup de chrétiens vont dire Oui, mais la dîme dans l'Ancien Testament, puis ben, on pense que c'est le plafond. Mais pas tout à fait. OK. La dîme, c'est un concept de l'Ancien Testament, oui. 10 c'est-à-dire le croyant donnait 10 de ses revenus. Mais ce n'était pas le plafond, c'était un plancher. Quand tu étudies les textes dans l'Ancien Testament, le croyant comme toi et moi, dans alliance avant Jésus, donnait 10 de ses revenus pour l'œuvre de Dieu. Donnait 10 pour tout ce qui est relatif aux grandes fêtes, donnait 3,3 de ses revenus aux pauvres par année, et là-dessus, il y avait des offrandes volontaires, et lorsque tu offrais des sacrifices, il fallait que tu payes l'animal. Minimalement, le chrétien dans l'Ancien Testament donnait 25 de ses revenus, puis ça allait peut-être jusqu'au tiers de ses revenus. C'est pourquoi les chrétiens du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout en commun. Restez avec moi, on ne s'en va pas là. OK, restez avec moi. Pourquoi? Parce que les chrétiens du Nouveau Testament se disaient, nous ne pouvons pas être moins généreux que ceux des croyants avant Jésus. Donc, il y a un principe là-dedans. Maintenant, pour le chrétien, comment ça fonctionne? Ma conviction personnelle à moi, ok? je pense que dans ma vie, dans notre foyer, la dîme est le plancher. Et au-delà, il y a quatre, toutes sortes de choses, il y a des offrandes volontaires. Pour moi, ça, c'est de la bonne gestion. Maintenant, la question qu'on pose. Quelqu'un peut être en désaccord. C'est correct. Est-ce qu'on doit continuer à donner la dîme, même si on a beaucoup de dettes? OK. En tant que pasteur, je n'ai pas l'autorité d'imposer la dîme. J'ai vu dans des églises des pasteurs qui ont dit, « On vit des moments difficiles maintenant, la, dette, la dîme passe à 15 %.» Non, mais t'es qui, toi? <laughs> Voyons. Tu sais, puis dans comme là, j'aimerais dire, « Oui, oui, non, t'as dégagé, mais je ne peux pas parce que la dîme n'est pas à moi, elle est à Dieu. Je ne suis pas le conseiller financier du Seigneur. Donc, je n'ai pas le pouvoir de. de c'est pour ça que je te dis, c'est à toi dans ta conscience. Maintenant, voici des principes importants. Personnellement, avant de couper, quand le Seigneur, quand j'ai à cœur de donner quelque chose pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, OK? Avant de couper ça, je veux m'assurer que ce n'est pas la première affaire que je coupe. Vous savez, souvent, les chrétiens, on coupe toute la portion du Seigneur, mais on garde nos télé, on, on maximise nos téléphones. On ne coupe pas la SAQ. On ne coupe pas les voyages. On coupe... Notre train de vie, on vit au-delà de nos moyens, puis on coupe tout le reste. Après ça, on dit Seigneur pourvoie. Le Seigneur ne pourvoira pas. Pas comme ça. Donc, on a besoin de si on veut couper, ça t'appartient. Tu as juste besoin de savoir est-ce que c'est vraiment l'endroit où tu veux couper. Cela étant dit, donc c'est dans ce sens-là que Dieu va dire dans Malachie va dire au peuple de Dieu vous me volez. De l'autre côté, Jésus va dire à un moment donné, il y a des gens, tu as des proches autour de toi qui ont de la difficulté à arriver, puis tu vas les voir, puis Jésus dit, vous allez les voir, il parle aux religieux de l'époque, puis vous leur dites, ce que j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire l'offrande, l'argent que j'aurais pu te donner, je ne peux pas parce que Ah, c'est l'offrande du Seigneur. Puis Jésus dit, non, ça c'est mal. Donc, je ne connais pas le contexte, mais si, par exemple, vous êtes dans un endroit où euh, vous n'êtes pas capable de faire l'épicerie, les, les choses élémentaires de la vie, vous êtes incapable d'arriver. Mais peut-être que quelquefois, il y a des montants où, peu importe si vous avez à cœur la dîme, de dire c'est quoi, pendant un temps, euh, il faut que mes enfants continuent de manger à leur faim? Ça, c'est non négociable. Je m'entends en amène à ça. Puis cela étant dit, je veux juste ajouter aussi pourquoi est-ce qu'on donne? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on donne pour l'œuvre de Dieu? J'espère que vous ne donnez pas par devoir, par obligation, par culpabilité. Corinthiens nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Hein, C'est là, chacun d'entre nous, devant le Seigneur, on, on, on décide, on prend une décision, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Hein, Lorsqu'on donne chrétiennement, de manière de donner. Notre offrande, c'est quoi? C'est deux choses. C'est Premièrement, c'est une reconnaissance. À mon épouse et moi, lorsqu'on donne la dîme, on n'est pas comme... C'est qu'on est reconnaissant pour le 90 qui nous permet de bien vivre. Et il y a aussi un acte de confiance. C'est de dire, Seigneur, je te fais confiance, tu pourvois à tous mes besoins. C'est un geste de foi aussi. Donc, chacun d'entre vous, vous devez décider par vous-même, diriger par le Saint-Esprit à la lumière, de la parole de Dieu, ce qui est bien. Ce que je peux entendre amène à ça. Puis il y a une question qui est reliée. Les emprunteurs abusifs. On va nommer des noms. Non. Une autre question qui est liée à l'argent. La question commence en citant Matthieu 5, 42. « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Okay, J'arrête ici. Si on arrête là, on a un problème parce que tout le monde qui te demande. Il y a plein d'abuseurs autour de nous, tu vas continuellement donner de l'argent, on s'entend? Donc, il faut comprendre ce verset-là à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu. Comment peut-on réagir quand ces emprunts deviennent des abus par une personne tout en voulant conserver son désir de partager? Comment discerner l'abus du réel besoin? Exemple, les faux itinérants qui profitent d'une situation pour quêter. La même personne qui emprunte ton matériel plusieurs fois à long terme pour ne pas débourser le matériel au magasin. Hmm. Lève la main si c'est ton cas. OK, donc premièrement, il y a plusieurs besoins autour de nous. Comment les chrétiens devraient réagir? Hein? Tu dois comprendre, Jésus est en train de faire quelque chose. Ce texte-là se situe dans le sermon sur la montagne et il s'appuie sur l'Ancien Testament. Hein? L'Ancien Testament disait que le méchant emprunte et ne rembourse pas. Mais le juste donne généreusement. Dans l'Ancien Testament, le croyant avait la responsabilité devant Dieu d'aider ses frères et ses sœurs dans la foi qui vivaient des difficultés financières. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le croyant avait la responsabilité seulement envers les autres croyants. Maintenant, Jésus, dans le sermon sur la montagne, il compare avec la loi dans l'Ancien Testament, puis il dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Et Jésus est en train d'élargir la générosité des chrétiens, non seulement à ceux qui croient en Jésus comme toi, mais la parole de Dieu t'appelle à être généreux envers tous les gens dans le besoin, peu importe ce qu'ils croient. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on doit comprendre. Donc, Jésus élargit. Maintenant, comment savoir si tu dois donner, alors que... Est-ce que je suis seul? Moi, j'ai de la famille dans, dans, dans Chalaga Maison 9, il y a toujours des itinérants. Des... Puis là, à un moment donné, tu ne peux pas donner à tout le monde. Et, et moi, j'ai malheureusement... Puis, puis la parole me condamne, mais des fois j'ai le don de soupçonner le mal. Mon premier réflexe, quand je vois un jeune, je il arrive, puis il me demande, puis je dis mais, va travailler. Est-ce que ça, c'est chrétien? Ben! <laughs> Liberté de conscience. OK. Oui non, oui non, oui, non. Je fais de l'humour oui non. OK, premièrement. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, tu n'enlèves pas le pain de la bouche de tes enfants pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, tu ne mets pas ton patrimoine en danger par ta générosité. Première chose. Okay? C'est ce que la Bible dit, que la responsabilité, c'est de prendre soin de. Celui qui ne prend pas soin de sa propre maison est pire qu'un infidèle. OK, 1 Timothée 5,18. Deuxièmement, tu ne veux pas encourager la paresse. Vous savez, des fois, on a des gens autour de nous qui ont toujours des besoins, toujours des besoins, mais qui ne font jamais rien. Tu sais, à un moment donné, tu as une fois, deux fois, mais à un moment donné, la personne doit se prendre en main. Tu dois aider la personne à se prendre en main. Troisièmement, tu ne veux pas donner à quelqu'un qui va utiliser ton argent à mauvais escient qui te rend complice de son péché. Donc, oui. C'est drôle. J'ai vraiment l'impression que pendant que je prêche, le Saint-Esprit prêche son message. Euh, et finalement, la sincérité. Est-ce que la personne est sincère, et pas sincère? Euh, vous savez, à un moment donné, la Bible dit Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Hein, puis on le voit au cadre des fois, il y a des gens, puis on regarde les revenus, tout ça. Puis quelqu'un pourrait dire des fois Mais hey, tu regardes la voiture, tu sais, hey. mais, mais tu sais pas, on ne connaît pas toute l'histoire. Puis vous savez, le chrétien, on est prêt lorsqu'on donne. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont exploiter ce système, mais on est prêt à vivre avec une minorité qui exploite le système pour ne pas pénaliser la majorité qui a vraiment besoin. Et on fait confiance à Dieu. Je peux en amène à ça? OK. <applause> Cinquième question. Les chrétiens dans le monde. Et là, je fais la lecture de la question. OK? Est-ce qu'un chrétien musicien faisant partie de l'équipe de Louange peut œuvrer dans le monde? Okay. Est-ce qu'un chrétien, donc c'est la même question, est-ce qu'un chrétien, est qu chrétien peut travailler pour un festival gay? OK. La question est posée. Première chose, OK. Je ne connais pas l'intention derrière la question, mais je, je vais essayer de, de, de présumer. Première chose, l'attitude de Jésus n'est jamais défensive. Jésus réalise que tout le monde a besoin de lui. Le chrétien n'exclut jamais les gens d'emblée. Le chrétien réalise que tout le monde a besoin de Jésus. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin, c'est le malade qui a besoin de Jésus. Donc, peu importe le cas. Donc, souvent, la posture défensive, le chrétien, c'est de. Vous savez, les chrétiens, on n'est pas dans, dans. Le christianisme, ce n'est pas une secte où on s'isole. Hein? On est appelé avec la lumière dans les ténèbres. Le problème, souvent, c'est que la lumière se tient ensemble. Donc, on a besoin. Première chose. Deuxième chose. Je ne sais pas ce qu'on a en tête, mais. Comment, comment concilier le travail avec nos valeurs, avec quelquefois où on est dans un milieu où, qui ne représente pas nos valeurs? J'ai un exemple. Il y a un frère de l'Église qui, lui, euh, vend des produits, représentant vend des produits pour des restaurants, des bars, des de endroits comme ça. Et un de ses clients, c'est un bar de danseuses. Maintenant, lui pourrait dire, en tant que chrétien, aller dans un bar de danseuses, ce n'est pas une bonne idée. On oh, reprend rien pour acquis, ok, ok. Moi j'ai mes amis, hein, à un moment donné j'avais des amis, des nouveaux amis non chrétiens, puis à un moment donné ils il me disent oh, on retourne au danseur, c'est comme, mais je suis pasteur, il fait comme, oh, Un pis. <laughs> là j'ai dû leur expliquer là, c'est comme, tu sais c'est comme si t'es un vég... tu un végétarien qui va chez dans un steakhouse ça marche pas là, ok. Bon c'est pas une bonne illustration, c'est correct, c'est correct. <laughs> Deux matin, ok. Donc, c'est question de cohérence. Ça ne marche pas. Tu sais. Donc, je reprends. Donc, il y a quelqu'un qui, lui, distribue. Maintenant, il ne peut pas dire mais Moi, là, je distribue. Je ne vais pas distribuer au bar de danseuse. C'est son travail, c'est son gagne pain Par contre, ce qu'il a dit au patron, c'est que moi, je vais te livrer, mais je ne vais pas venir te livrer le vendredi à 11 h le soir. Je vais venir te servir, mais le matin à 8 h quand tout le monde est habillé. Donc, c'est important de. de on, on travaille tous. Dans le, et chacun d'entre nous, on travaille tous avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Ainsi, hein, on, on travaille seulement avec des gens qui partagent nos valeurs. On ne on on mangerait pas beaucoup là. Donc, c'est ça. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Donc, le chrétien, on, on est là, on est là. Puis ça, notre problème, c'est qu'on fait, une, on fait une, une séparation entre le sacré et le séculier. Hein, il y a le dimanche, il y a les choses de Dieu, la prière, la louange, puis il y a le monde. Et vous savez, c'est Spurgeon qui va dire qu'en Jésus, le sacré a absorbé le séculier. En tant que chrétien, quand tu es dans le monde et tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est spirituel. Hein, il n'y a pas de barrière. Hein, c'est comme on dit, on parle des musiciens. T'sais. Honnêtement, je ne veux pas vous choquer, mais ça n'existe pas de la musique chrétienne. Une musique avec un message chrétien. Mais tu peux avoir un païen qui chante un cantique chrétien. Donc, tu peux avoir un chrétien qui va chanter quelque chose de profane. Donc, l'important, c'est qui le fait et pour qui il le fait. En parlant de la musique, tu sais, puis je sais. En fait, la question souvent, c'est qu'il y a tout un réseau de musiciens chrétiens qui se promènent, qui font des événements, qui font. Moi, je suis moins préoccupé par un chrétien qui joue dans le monde que par un mondain qui joue dans l'église vous le message. Okay? <laughs> en fait, c'est important de réaliser que le chrétien, c'est un peu comme, on parle de comment, comment gérer le séculier et, et, et le spirituel. C'est un peu comme la plage. Quand tu vas à la plage, la, la distinction entre la mer et la plage, le sable, ce n'est pas toujours évident. Mais le chrétien, tu es, es comme un lifeguard. Tu es toujours en fonction. Le chrétien dans le monde est toujours en fonction. Il y a toujours des gens qui ont besoin de Jésus et tu es toujours un ambassadeur de Christ. Quand je vais à l'épicerie, je ne me comporte moins chrétiennement que devant vous ce matin. Donc, c'est important. Est-ce que ça répond? OK, on arrive avec les questions un petit peu plus corsées. Les tatouages. Je ne vais pas dire quoi penser, comment penser. Ok, je lis la question. Ok, lancez-moi pas de tomates. Étant donné que dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, il est écrit que nous ne nous appartenons plus, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que la Bible mentionne de ne pas se faire de marque sur notre corps, pourquoi certains chrétiens se font-ils des tatouages en pensant que ce qu'ils font est bon pour Dieu? Répondez. OK. Les tatouages, les tatouages. Euh, premièrement, okay, qu'est-ce que la Bible enseigne sur les tatouages? Il n'y a pas de verset qui condamne ou qui encourage les tatouages. Le texte, qui est du, la question fait allusion à Lévitique 19-20, qui, qui parle de ne pas se faire d'incision ou de tatouages dans un contexte de, de culte païen, c'est le contexte de Lévitique. De manière très, très honnête, on ne peut pas utiliser ce texte-là pour condamner les tatouages. Maintenant... Plusieurs, plusieurs principes bibliques. Premièrement, ce qu'un chrétien a sur son corps est moins important que ce qu'il y a dans son cœur. Première chose. Tous les tatoués disent Alléluia, Alléluia. Attends, 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 attends. Pas fini. La Bible dit de, aussi de glorifier Dieu dans votre corps. OK? La Bible n'encourage ne, ne, pas ou ne décourage pas les tatouages. Par contre, peuple de Dieu, c'est important de, de, de réfléchir dans, dans tout ce monde d'intervention esthétique. Alors on voit, c'est de plus en plus populaire à tous les niveaux. Tous les niveaux. Vous les connaissez, là, toutes les interventions esthétiques, où c'est très, très, très à la mode, de plus en plus populaire. La Bible ne te dit pas de le faire ou de ne pas le faire. C'est important juste que tu réfléchisses. Pourquoi tu le fais? Est-ce que l'argent que tu mets là-dedans, c'est bien investi? Est-ce que c'est question d'identitaire? Est-ce que c'est. Tu as besoin de réfléchir. Donc, le cœur est plus important que le corps, mais le corps, c'est important. Okay? Je pense que le meilleur verset pour, euh, pour répondre à la question, c'est 1 Corinthiens 6,12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Sur la base de ce verset-là, un chrétien peut se faire tatouer. Selon ta conscience, c'est correct. Un chrétien pourrait être contre, c'est correct, mais on ne doit pas, c'est un sujet de liberté de conscience, on ne peut pas imposer notre conscience à l'autre. Parce qu'on n'a pas de texte clair. Maintenant, parlons un petit peu de mon témoignage. Moi, au début de mon mariage, de mon ministère, je voulais me faire tatouer. J'écoutais les émissions de tatou, puis je voulais mettre un verset biblique, puis tu sais, la gloire de Dieu, là, tu sais. <laughs> je me suis dit, mais Pasteur Guetta, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pour deux raisons. Première raison Ma femme dit, j'aimerais mieux, je t'aime mieux pas tatouer. Vous savez, il y a un passage biblique, là, il y a des gens, vous allez crier, mais ça ne me dérange pas, c'est biblique-là. La Bible dit que quand tu es marié, ton corps ne t'appartient plus. Donc, je voulais quelque chose, mais ma femme dit non, j'aimerais mieux que tu te fasses pas tatouer. Puis je pense, que son argument à l'époque, c'était Pourquoi barbouiller un chef-d'œuvre ou quelque chose comme ça c était, c était... Je dis d'accord, chérie, d'accord, d'accord, d'accord. Une autre raison. Une autre... Encore une fois, et là, c'est ma, ma ligne à moi. Okay? Je connais plein de pasteurs qui sont tatoués, que je respecte. La moitié de notre équipe est tatouée. Fait c'est ma règle. Deuxième règle. Je ne me suis pas fait tatouer à cause de vous. Tu te dis, Mais c'est quoi. Ok, bien là, il y, y en a une qui a compris, les autres comme. Pourquoi? Pourquoi? OK. Dans l'Église, OK, moi, moi, mon rôle, là, le, le focus de ma vie, c'est d'être un berger, d'être un pasteur, un prédicateur de l'Évangile. Ça, c'est le plus important. Toute ma vie, OK, est conditionnée par mon appel. Toutes les décisions que je prends, c'est toujours conditionné par mon appel. Si j'arrivais ici avec un bras complètement tatoué, puis encore une fois, je n'ai pas de problème de conscience, OK, pour moi, là, il y a des frères et des sœurs qui le font, là. Il y aurait probablement la moitié de l'Église qui dirait « Ah, oh, wow, cool » j'en aurais peut-être 30 qui seraient comme hmm. Et « Et j'aurais 20 qui seraient un peu choqués. « Mais ben voyons donc, mon pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est pas comme... » Et moi, je n'ai pas le goût de débattre avec toi. La Bible dit, faites bien attention de ne pas utiliser votre liberté comme prétexte, comme pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles dans la foi. Donc, pour ceux qui ont une conscience plus faible au niveau de l'expression biblique, par amour pour vous, je veux que le seul focus, ce soit ma prédication, ce ne soit pas ce que j'ai là, je me suis fait tatouer, pas tatouer, pas. Mais ça, c'est ma ligne, la ligne de Gaëtan Brassard. Maintenant, il y a plein de pasteurs que je connais, que je respecte, qui sont tatoués, qui se font tatouer. Qui... C'est correct, ils ont leurs propres règles dans leur conscience. Ils ne sont pas moins spirituels. Euh, chacun d'entre nous, à la lumière de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, on prend nos décisions. Donc, tu vois, d'un côté, en sortant d'ici, il n'y a personne qui peut dire Pasteur il est pauvre contre les tatous. Hein? Je pense que la Bible ne dit rien contre, mais pour différents motifs, j'ai choisi de ne pas le faire. Est-ce que ça va? OK. Bon. OK. Je vais prendre une autre petite gorgée d'eau. Donc, on vous avertit d'aller reconduire vos enfants à clic. Si vous les avez, Mais ben, tant pis pour vous. OK. Les pulsions sexuelles. Qu'est-ce que la Bible dit sur la masturbation Qu'est-ce que la Bible dit sur la masturbation Est-ce un péché Puis Là, il y a des gens, vous nous visitez, vous dites Est-ce que tu vas aller là Pourquoi tu vas là Je suis d'accord avec toi. <laughs> Je suis tellement d'accord avec toi. Et vous savez, au portail, on peut pas dire que tout a toujours rapport avec Jésus et reculer devant les questions qui nous rendent moins confortables. Donc, voilà. Qu'est-ce que la Bible dit sur la masturbation? Est-ce un péché? N'est-il pas bon de se donner du plaisir en attendant le mariage? Cet acte ne permet-il pas de contrôler nos pulsions? Et finalement, on a reçu plusieurs questions, là, je vous les nomme. Y a-t-il des moyens de satisfaire les désirs sexuels de façon chrétienne? <laughs> Selon mon cours de biologie de secondaire 3, non. Mais en fait, je fais de l'humour, je ne me moque pas, mais OK, encore une fois, je ne vais pas vous dire. Il y a des gens, plusieurs personnes ont posé la question, donc je vais te donner des principes. OK, premièrement, juste rappeler à tout le monde, la première bénédiction qu'on a dans la Bible, c'est Dieu qui bénit la sexualité. Hein, Dieu dit, « Multipliez-vous et il y bénit. » Comment tu penses qu'on qu va se multiplier? OK, donc Dieu bénit la sexualité. Deuxièmement, Dieu nous a créé avec des pulsions sexuelles qui sont saines. Le sexe n'est pas sale. Il y a tout un mouvement du christianisme pudique qui, qui, qui condamnant. Puis Dieu nous a créé avec des pulsions sexuelles. Ça vient de Dieu, c'est bon. Même la Bible fait l'éloge de ces pulsions. La Bible va dire "Fais, fais, de, de, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, sois constamment enivré de ses seins." C'est dans la Bible. Donc la Bible n'est pas un livre prude. Donc je veux éviter des extrêmes. Donc, bénédiction sexuelle, pulsion sexuelle. La Bible dit que le cadre l'idéal de Dieu pour la sexualité, c'est toujours la réciprocité. Dieu nous a donné la sexualité, encore une fois, dans le cadre du mariage. On pourrait dire que la sexualité est le ciment du mariage, pas le fondement. Le, la sexualité sert à l'intimité, la complicité. Et, et c'est jamais donné juste pour notre plaisir personnel c'est toujours donné en réciprocité avec quelqu'un d'autre dans le cadre du mariage. Okay. Maintenant, pourquoi la Bible ne parle pas de ce sujet-là? Euh, parce qu'à l'époque, les gens se mariaient après la puberté. Donc, ce n'était pas un enjeu comme aujourd'hui où les gens vont se marier à 39 ans. Donc, c'est comme un 20 ans, qu'est-ce que je fais là? Okay? <laughs> quatre, quatre considérations. Okay? Une application aux couples mariés, aux couples non mariés, aux célibataires. Peut-être un lien avec la, la, un enjeu culturel. Premièrement, au couple marié. La Bible dit, OK, ma conception, la parole de Dieu, quand tu regardes la, la sexualité, c'est toujours, toujours la réciprocité, toujours le plaisir de l'autre, toujours dans, en union, en harmonie. C'est jamais pour soi-même. C'est pourquoi la Bible va dire au couple marié, « Ne vous privez pas l'un de l'autre trop longtemps. » Et là, je sais que dans la culture, les gens vont dire, « Mais voyons donc, c'est ma sexualité, c'est ma sexualité. » J'ai l'impression que quand tu es marié, bibliquement, c'est pas tellement ta sexualité que notre sexualité. Je parle avec ma femme, je ne parle pas d'entre nous. Là, okay? Ça, c'est sûr que le frère comprenne la même chose. là. Euh, pour les couples, il y a des gens, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas marié. Okay. Un des problèmes okay, dans la génération passée, c'est que les chrétiens se mariaient trop tôt. Hein, on le voit, il y a beaucoup de couples qui ont éclaté, des mariages très, très, très jeunes. À l'inverse, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un des problèmes, les chrétiens se marient trop tard. Tu sais, tu penses que tu vas être fiancé pendant 10 ans, dans quel monde tu vis? C'est comme. La réalité, c'est que. Et là, je parle des disciples de Jésus, là, des gens qui veulent suivre Jésus. Tu es en couple avec quelqu'un, tu dis c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, on est fiancé, on veut bâtir quelque chose, c'est comme fine, attends pas 18 ans. OK? Donc, souvent, je pense qu'on gère mal notre date de mariage, c'est-à-dire, on, on arrive puis on met l'accent sur. J'ai fini mes études, j'ai trouvé une job, j'ai acheté la maison, puis je vais me marier après. Je pense qu'il y a un manque de sagesse biblique là-dedans. Donc, je dirais, c'est important d'être réaliste aussi. Euh, aux célibataires, qu'est-ce que je dirais? Je veux juste dire que la sexualité, euh, la masturbation, n'est pas, est pas en silo. C'est souvent rattaché à la sphère de la pornographie, rattaché. À... et même dans le monde séculier, on reconnaît qu'il y a un problème à ce niveau-là. Plusieurs personnes, de plus en plus, on les voit hein, avec des, tous des cas de compulsion au niveau de la masturbation. Des, hein. Donc, je dirais qu'il y a toute une, une sphère de la pornographie a, qui, qui est vraiment, qui n'est pas pour ton épanouissement, qui n'est pas pour ton bien, qui, 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 va, qui te rend esclave. Qui, fait il y a beaucoup de choses qui sont, toute une sphère là-dedans qui, qui, je dirais, hein, c'est ça, c'est ce que je dis, hein. <laughs> euh, Puis, juste dire aussi, toute la notion de maîtrise de soi. Est vraiment importante un des fruits de l'esprit la maîtrise de soi. Donc c'est juste des principes bibliques à tenir en compte, OK, dans nos comportements sexuels ou autres. Si vous êtes toujours là dites amen. OK, il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. Euh, <laughs> dernier point, une question délicate, délicate qui, qui se pose la, la correction physique, correction physique puis en passant, si on n'a pas répondu à votre question, il y a eu d'autres questions, mariage, divorce, remariage. J'ai répondu à ça dans notre série sur le mariage. Sinon, si votre question n'a pas été répondue, je pense qu'on a répondu à 98 des questions, envoyez à Info Commercial, l'Église, de portail. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps de répondre à votre question. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne finalement sur la correction physique des enfants et quel est le point de vue du portail? OK. Et souvent, on prend des textes comme Proverbe qui va dire que celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Première chose que je veux dire, OK? Étant un pasteur qui a relativement un peu d'influence, je suis très préoccupé de ce qu'on pourrait me faire dire que je n'ai pas dit. Dans ce monde où souvent les enfants ne sont pas bien traités, je veux juste être bien, bien, bien compris. Il n'y a personne qui prône la violence envers les enfants. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Okay, parce qu'il y a toujours des gens, des gens tordus là, qui interprètent. Donc, ils prennent un texte biblique et ils font dire au texte que la Bible n'enseigne pas, ne tenant pas compte de l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, et Jésus va même dire que si quelqu'un scandalise un enfant, blesse un enfant, abuse un enfant, c'est mieux pour toi de prendre une pierre, de la mettre à ton cou et de te jeter dans la mer de te noyer que de faire face à Dieu. Okay, donc, on commence, on bâtit quelque chose. Je pense que ce que la Bible le dénonce, souvent, c'est le laxisme des parents. Ce que ce verset-là dit essentiellement aux parents, c'est, comme on dit en hébreu, parents, faites ta job. Il m'arrive des fois d'être dans les lieux publics, d'être au restaurant, là, tu entends la maman ou le papa dire OK, Jérôme, là, arrête, là. Jérôme, arrête. Jérôme, pour l'avant-dernière fois, arrête. Jérôme, je compte jusqu'à trois, sinon, un, deux, deux et demi, deux, trois quarts, deux point sept, trois, deux point sept, quatre. Jérôme, la dernière fois, la dernière fois. Là, Jérôme continue. Puis là, Jérôme, pour la post prom dernière fois, je te dis, j'ai le goût d'aller voir Jérôme. <laughs> j'ai le goût, j'écoute. Donc, parent, à un moment donné, fais ta job. Tu peux pas laisser ton enfant faire n'importe quoi, faire le bacon partout. Euh, Là, je m'emballe, je m'emballe un peu, je fais de l'humour, tu comprends, là, hein? Mais tu sais, des fois, de l'enfant qui fait le bacon, c'est comme OK, à un moment donné, là, le bacon est cuit. Là. Let's go, let's go. Là. <laughs> euh, donc, ce que la Bible dit, parents, soyez responsables, vous avez besoin de donner un cadre à vos enfants. Hein, c'est le parent qui gère l'enfant, c'est pas l'enfant qui gère le parent. Troisièmement, quand la Bible parle de correction, elle ne parle pas de punition. Comme Dieu, d'ailleurs, est un bon père envers nous, Dieu ne punit pas ses enfants. Christ a été puni à la croix pour tes péchés. La correction, la punition, c'est je te donne une conséquence à cause du mal que tu as fait. La correction, c'est une conséquence afin que tu corriges pour faire le bien. Deux attitudes diamétralement opposées. Okay? Puis en passant le texte, on dit oui, mais là, ici, on parle de verge de bâton. Euh, c'est la même expression que dans le 23 qui dit ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le même bâton. Hein? C'est la houlette qui. Qui est comme, qui sert à ramener la brebis, puis de l'autre côté, comme, quand la petite brebis s'en va là, hein, pour la ramener. Donc, c'est important de bien comprendre ce que la Bible dit. Euh, puis pour les parents chrétiens, je te rappelle que quand tu corriges tes enfants, tu donnes des conséquences, ça devrait toujours être fait dans l'esprit, pas sur le coup de la colère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la, la patience, la bonté, la douceur. Donc, il y, y a toute une attitude. Puis, puis vous rappelez aussi, parce que je sais ce sujet-là, toutes sortes de contextes, de culture, de tempéraments, de... Peut-être c'est bon de rappeler la loi canadienne qui, qui reflète bien, qui reflète bien ce que la Bible enseigne. Hein, la loi canadienne, on parle de force raisonnable, euh, pas sur un enfant en bas de deux ans, pas sur les adolescents, pas d'objet, pas de coups à la tête. T'sais, la Bible dit Parents, prenez vos responsabilités, donne un cadre à ton enfant, hein, tu corriges ton enfant. Mais la Bible dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Père-mère, n'héritez pas vos enfants, élevez-les dans la voie du Seigneur. Et je termine là-dessus, juste de rappeler aux parents que, vous savez, souvent, on ne veut pas que nos enfants virent mal. Hein, souvent, c'est ça, on veut, on veut les discipliner parce qu'on ne veut pas que nos enfants virent mal. Je vous laisse avec ces paroles de Spurgeon, la moralité peut garder votre enfant hors de la prison, mais seul le sang de Jésus peut garder ton enfant hors de l'enfer. Ce qu'on veut, surtout se communiquer la bonne nouvelle de la grâce. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce que je peux entendre un dernier amen?